Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui pour ce qui est la 7e conférence de notre cycle pour cette année de séminaire rythmologie. Je vous rappelle qu'il est construit donc avec la MSH Alpes à Grenoble, le LRA, l'ENSA Toulouse et le PFL avec nos collègues du laboratoire du LASUR. Je rappelle qu'on a reçu un certain nombre de chercheurs, d'enseignants de différentes disciplines. On a reçu Vincent Kaufmann, qui est sociologue, Jean-Claude Schmitt, historien des rites, qui nous a parlé du Moyen-Âge notamment. Céline Tritz, géographe, plutôt sur les questions tourisme et rythme. Michel Adolphe-Jones, qui est psychosociologue. Sophie Vanisch, qui est historienne. Et Alimatou Mamawal, qui est architecte. C'était notre dernière conférence. Je vous rappelle aussi que ce séminaire interdisciplinaire fait un double pari. Le pari du rythme comme clé de lecture et d'écriture des sociétés contemporaines, et fait aussi le pari de la notion de rythme comme une manière de fluer, dépassant la question du rythme au sens simplement de mesure, qui avait été celle qui prévalait ces dernières décennies. Donc voilà le double pari. Alors on a la chance aujourd'hui de recevoir l'architecte Rémi Papillaud, que je remercie pour sa disponibilité. Il est en ligne, on a calé avec lui l'échange à partir d'une présentation qu'il a commencé à organiser sous forme de PowerPoint. Je rappelle que Rémi Papillaud, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, est architecte conseil de l'État, il est docteur en histoire, il est professeur HDR à l'ENSA de Toulouse, co-directeur aussi du laboratoire LRA, donc le laboratoire de recherche en architecture qui est lié à l'ENSA. Il est également co-responsable d'une chaire partenariale qui s'appelle Ressources, Transition, Innovation de l'usage des matériaux bio et géosourcés, donc en Midi-Pyrénées. Ses travaux portent principalement sur le patrimoine, ville et architecture au XXe siècle, en Europe, mais également dans un territoire qui l'intéresse beaucoup, qui est l'Inde. On lui doit une quinzaine d'ouvrages que vous retrouverez facilement en ligne, dont l'Atlas de Toulouse, ça c'est pour faire un petit côté régional. Alors Rémi Papillaud a intitulé sa conférence dans le cadre de ce séminaire « Place du temps dans l'opération d'urbanisme du Mirail, temporalité, rythme et durée ». Il nous avait transmis un document qui faisait la synthèse un petit peu de son travail et de sa réflexion. C'est un travail qu'il a engagé il y a déjà de nombreuses années. Et quand on a eu la chance d'échanger avec Rémi, il m'a dit, mais moi, cette question du temps et du rythme, je l'ai abordée, ça fait déjà un petit moment. Donc, il ne découvre pas avec nous la question du rythme, mais il est déjà sur ces questions depuis un moment. Et il nous le dira, je crois, il y a une actualité aujourd'hui de cette question à la fois du rythme, nous on en est persuadés, des temporalités, mais aussi une actualité sur ce projet du Mirail qui est aujourd'hui qui fait l'objet de controverses, voire de résistances, voire de destruction. Voilà, donc merci encore à Rémi pour sa disponibilité, cette présentation. Je rappelle le principe pour celles et ceux qui nous rejoignent, et pour Rémi aussi. Donc Rémi, tu as trois quarts d'heure, une heure pour développer ton propos. Dans ce séminaire, on essaye de prendre le temps, hein, une heure pour développer le propos, et puis ensuite des échanges ensuite avec les personnes en ligne, les membres du séminaire, et puis celles et ceux qui nous rejoignent à chaque fois différents au fil de l'activité de nos séminaires. Voilà. Et puis on essaie toujours de terminer avant 13h pour que ce moment d'échange soit soutenable aussi pour nous et notre santé. Voilà Rémi, la parole est à toi. Je rappelle que ce séminaire, on le co-dirige aussi avec Christian et que tantôt il l'anime, tantôt c'est moi, cette fois-ci c'est moi, et la prochaine fois sans doute lui. Voilà Rémi, j'espère que tu nous as entendus et que voilà, tu peux démarrer tranquillement. Ben oui, merci, merci Luc, merci de cette invitation. Bonjour à tous pour cette présentation donc sur la place du temps dans l'opération d'urbanisme du Mirail. Alors effectivement, tu l'as rappelé, c'est pour moi une recherche assez ancienne que j'avais lancée dans le cadre d'un programme de recherche du PUCA. Qui était dirigé par Bernard Le Petit sur les temporalités
en géographie, en urbanisme, en architecture. Et cette question du temps, je l'ai poursuivie sur plusieurs villes, plusieurs opérations à l'articulation entre architecture, ville, territoire. Et voilà, c'est la présentation que je vais essayer de faire aujourd'hui. Alors c'est vrai que ça résonne de façon particulière puisqu'il y a un collectif associé à l'Ordre des architectes qui s'intéresse au Mirail, à sa préservation et de voir comment on peut arriver à remettre justement ce quartier dans une temporalité active, dans une temporalité efficace. Bon, peut-être que cette recherche faite il y a quelque temps pourrait être utile. On doit en discuter prochainement là, avec ce collectif qui s'occupe de la préservation du Mirail. Donc, relever les catégories temporelles utilisées par les différents acteurs de cette création urbaine, de voir les échelles spatiales sur lesquelles elles s'appliquent, du territoire à la cellule, comment les architectes, les politiques, les administrateurs qui ont eu à concevoir cette ville nouvelle, le Mirail, c'est une ville nouvelle hein, des années 60, et comment ces acteurs intègrent cette question du temps de la ville. Comment intègre-t-il la contrainte de temps passé, présent, futur, qui est la contrainte la plus évidente, mais dans le cadre de la recherche que j'avais menée à l'époque, j'avais regardé donc toute une série de temporalités que j'avais essayé de nommer en fonction de catégories, les temps de l'urbanisme en reprenant donc les temps historiques, les temps étalons, les mandats, les postes, le consensus, les temps financiers. Chacun des acteurs à l'époque, et ils étaient tous vivants, Candilis, Josic, pas Woods, parce que Woods est mort il y a très longtemps, mais il y avait les élus qui étaient là, les techniciens de la ville qui étaient là, et surtout donc les architectes. Dans un premier temps, j'avais pas interrogé, j'avais pas le temps de faire ça, mais les habitants, avec Stéphane Gruet, on a pris ce temps-là en suivant dans un ouvrage qui a été publié en 2006, je crois 2006-2007, sur le mémoire du Mirail, mémoire d'un quartier, mémoire d'une ville. On avait essayé là de donner une place aux habitants, une place importante sur la façon dont ils avaient perçu quand ils étaient arrivés, comment ils avaient leur parcours résidentiel, leur appréhension de ce quartier. On avait essayé de voir tout ça. Mais là, dans cette présentation, c'est plus les acteurs de la construction de cette ville qui sont convoqués dans ce travail, et ça m'avait permis donc de relever, et ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est uniquement les temps de projection à l'échelle de la ville et pas à l'échelle de l'habitat. Le temps de l'habitat ou de devenir suranné, ça avait été centré là, ce moment de la recherche, sur la cellule d'habitation du Mirail, que j'ai publié par ailleurs. Là, c'était ce que je vais exposer aujourd'hui, c'est le temps de la ville avec la définition du passé efficace, le brûlant aujourd'hui et les outils de l'urbanisme pour un futur prometteur. Toutes ces expressions sont tirées des débats de l'époque et de cette espèce de conscience de la place du temps dans la pensée urbaine. Dans le projet urbain, le temps est partout et il est très difficile d'identifier donc ces grandes catégories temporelles. Notre hypothèse dans cette recherche, c'est que le nombre de positions du projet urbain dans le temps est aussi étendu et complexe
que les différentes façons de se positionner dans l'espace. Et bien évidemment, ça nous intéresse, nous particulièrement, architectes, qui passons notre temps à essayer de projeter dans l'espace, de voir, en tant qu'architecte, mais aussi en tant qu'enseignant, comment est-ce qu'on peut enseigner cette idée de projeter dans le temps. Est-ce que les outils de projection dans l'espace sont les mêmes? Non. Il y a des outils spécifiques pour projeter une ville dans le temps. Et la déconstruction qui était opérée ici sur le Mirail, que j'ai opérée aussi par ailleurs sur d'autres villes, notamment sur Chandigarh, la nouvelle capitale du Punjab, par le Corbusier Pierre Jeanneret, Fry et Drou, mais aussi j'ai opéré ce travail de déconstruction du projet temporel sur de l'architecture, et je l'utilise personnellement dans mon cabinet d'architecte, si vous voulez, sur tant du projet urbain patrimonial, type site patrimonial remarquable, que sur du projet urbain plus classique, type plan guide ou autre. Cahier de recommandation, enfin, plusieurs dimensions. Alors, pour établir ce relevé des temps de l'urbanisme à travers l'opération du Mirail, on a eu la chance de pouvoir interroger la plupart des acteurs de l'opération. La chance, parce que le Mirail, c'est une longue histoire, hein, ça démarre dans les années 60, et donc c'est une histoire qui a maintenant 50, 60 ans, et de nombreux ouvrages, une centaine d'articles faits par les architectes eux-mêmes, les discours des politiques qui ont été enregistrés et publiés, aussi de nombreuses polémiques. À l'échelle locale, hein, la fameuse dépêche du midi à l'échelle locale, où on retrouve nombreux articles polémiques, mais aussi à l'échelle nationale. De nombreux plans conservés aux archives municipales et surtout donc des entretiens que j'ai pu mener avec les acteurs à l'époque, avec Daniel Voldman. On avait travaillé sur ces questions. Donc, c'est quoi cette opération? 1961, la municipalité SFIO de Toulouse, dirigée par Louis Bazerques, sensibilisée par le débat du moment sur Paris parallèle, hein, au moment où Paris imaginait construire une ville neuve qui serait presque aussi importante que le Paris central, eh ben c'est ce que va finalement choisir Toulouse et lancer un concours pour un plan d'urbanisation. Et il s'agit de créer à quelques kilomètres du centre existant, un centre qu'on connaît bien, nous les Toulousains et pratiquants du Mirail, c'est un second centre urbain complémentaire. C'était l'ambition. Ce projet s'inscrit dans une vaste vision urbaine territoriale de l'État qui réorganise les régions françaises autour des métropoles. Et pour la commune de Toulouse, l'ambition est d'agir sur la totalité de son territoire ainsi que dans son insertion dans la région et sous l'impulsion de l'État et du maire en pleine période d'expansion. Donc un vaste programme est mis en place. L'industrie, tout d'abord, qui jusque-là se concentrait principalement sur le traitement de l'azote, hein, AZF, va s'ouvrir sur l'aviation, sur l'informatique, un gros programme sur le potentiel universitaire, sciences, médecine, lettres, droit, dont on sait aujourd'hui, on mesure, hein, les résultats presque 60 ans après. Donc la poussée démographique vers les villes est intense. Elle est issue des campagnes de la région, mais aussi d'Italie, d'Espagne et des premiers pieds noirs qui quittent l'Algérie. La population ainsi de la ville passe de 150 000 habitants en 1914 à 420 000 en 1960, conduisant donc la ville à un vaste programme de construction de logements.
La liaison de l'ensemble de ces activités est prévue par un réseau d'autoroutes urbaines, les fameuses rocades toulousaines, qui vont changer complètement la physionomie et l'appréhension de cette ville. Donc, cette ville nouvelle du Mirail n'est qu'une partie d'un vaste programme. On ne peut pas isoler le Mirail de toute une stratégie sur l'ensemble où la municipalité Basergues est aidée par la préfecture avec un secrétaire général de mairie très actif, très visionnaire, et toute une structure technique qui va être mise en place, notamment l'atelier d'architecture et d'urbanisme dirigé à l'origine par Germain Tarrus, qui est créé la place des Carmes, hein, donc, les Toulousains. C'est là que va se gérer, si vous voulez, cette ville neuve du Mirail. Le programme de ce quartier, de cette ville neuve est ambitieux. Il n'en existait, soi-disant, enfin bon, c'est la publicité qui en est faite, aucun de cette importance dans l'Europe. Il prévoit la réalisation de 25 000 logements pour 100 000 habitants. Donc, on est vraiment dans une ville miroir, une ville parallèle avec équipements sportifs, culturels, commerciaux, cultuels répartis sur un territoire de 680 hectares. Je rappelle que Toulouse Centre, c'est 240 hectares. Donc, avec les faubourgs qui sont autour, on est presque sur une surface équivalente. Un grand concours, 50 équipes d'architectes qui vont envoyer un projet, 10 seront retenus, et c'est Candili Josicke-Woods, qui, accompagné de deux ingénieurs, Pio et François, qui remportent le concours. Donc, pour les seconder, le maire crée un institut de réflexion, l'IEJUC, pour ceux qui connaissent, et un atelier municipal d'urbanisme. Et l'État, par le biais d'organismes HLM, la direction départementale de la construction et par celle de l'architecture, assiste lui aussi à la conception. Et ce n'est qu'en octobre 1964 que le quartier de Bellefontaine, qui est le premier à sortir de terre, est commencé. Le centre régional prévu dans le projet, qui devait être donc un cœur de quartier, va démarrer doucement. C'est autour de l'hypermarché, bon, à l'époque Casino, et de trois administrations qui devaient s'implanter là, l'école d'architecture, la station de radio et de télévision et la direction régionale des douanes. Mais tout ce centre urbain qui devait être le cœur du quartier, finalement, a eu du mal à sortir de terre et n'a pas fait centralité. Et on voit donc Bellefontaine arriver et deux mandats du maire de la SFIO, du maire M. Bazerque. Après, on est en 1972, donc de 1961 à 1972, on a une décennie, si vous voulez, de travail sur ce quartier du Mirail qui sort de terre. Et en 71-72, Bazerques, qui se représente avec le Mirail comme fer de lance du programme municipal, il va être sorti. Et c'est maire de droite qui va l'emporter, Baudis, Pierre Baudis, et qui va mettre un coup d'arrêt direct dès son arrivée pour recentrer la pensée urbaine de Toulouse sur le cœur de ville, sur le centre ancien, laissant tomber la partie du Mirail. Donc on a des jalons temporels très très clairs d'une décennie d'action sur lesquels on peut mesurer la façon dont les architectes, les élus, les techniciens pensent la ville dans le temps. On peut après voir, on pourrait après prolonger ce qu'on avait fait avec Stéphane Gruet, on peut prolonger l'étude au-delà, mais là, ce que je propose, c'est de le regarder sur cette décennie. Et le premier temps, donc,
qui ressort des temps de projection, c'est la définition du passé efficace. Et pour les premiers architectes du mouvement moderne, passé, présent et futur se confondent. Les modernistes, Le Corbusier en tête de ligne, font une espèce de projection au travers du présent, du brûlant aujourd'hui, dont je parlerai après. Et c'est Siegfried Gideon qui nomme ça l'éternel présent, qui signifie que toute activité artistique fonctionne sur un système de référence intemporel, tendant à la simultanéité et à l'abstraction. Le passé ne peut être un lexis de forme dans lequel on peut puiser, comme au 19e, cette histoire est bien connue, cette histoire de l'architecture et cette histoire des villes est bien connue. Il y a cette tendance donc, à l'éternel présent de Siegfried Gideon. En 1960, date du début du Mirail, le problème a changé et les architectes disposent du stock formel du mouvement moderne. Et si déjà ils réfléchissent au problème des sources stylistiques, la question est de savoir comment composer ces formes issues de la première moitié du XXe siècle, issues du mouvement moderne. Et Candilis, très clairement, se positionne en voulant créer une nouvelle génération d'architectes qui soit dans un rapport critique à l'histoire de la modernité, un rapport critique, et ça va donner le Timten. Ce rapport à l'histoire n'est plus fondé sur une abstraction temporelle, mais plutôt sur la définition d'un passé efficace. Il dit que l'un des points utiles de l'histoire est que le passé contient des leçons plus claires que le présent. Souvent, la situation actuelle n'est qu'un cas compliqué de conditions dont on peut trouver idéalement clair, un exemple idéalement clair dans le passé lointain. Mais finalement, ce rapport au passé, il le limite, si vous voulez, à ce temps de la modernité. Et l'opposition entre cette phrase de 62 de Candilis et la célèbre formule du mouvement moderne de l'entre-deux-guerres, reprise par beaucoup dans les années 60, du passé faisant table rase, reflète la position de Candilis Joseph P. Woods. Ils reconnaissent le passé comme la source de tous les maux des villes, mais ils voient aussi en lui un côté utile que je vais définir. Ils ne rejettent le passé que s'il compromet l'avenir et il ne peut leur être d'aucune utilité en termes de réalisation. Ils rejoignent en cela la pensée bergsonienne de Paul Guedes qui va influencer beaucoup le Timten et plus particulièrement pour la France, toute la pensée de poète vers 1929 qui voit dans le passé l'école de l'avenir, le passé comme école de l'urbanisme. Et donc, Candilis Joseph P. Woods développe une méthode d'analyse des villes pour leurs projets qui laisse une large part, donc qui donne une large part au passé. La méthode d'analyse qu'ils vont mettre au point est développée à partir des années 50 par Candilis pour le projet de Bagnols-sur-Cèze. Donc j'avais mis là quelques, sur le PowerPoint, je suis là dans l'atelier de la rue de Sèvres parce que avant d'arriver à Bagnols-sur-Cèze, je vais juste donner quelques éléments sur leur parcours. Candilis, il est grec, Josic, yougoslave et Woods, irlandais. Donc voilà trois Européens qui viennent faire carrière en France et qui vont être... parmi les plus grands bâtisseurs de logements et parmi les plus grands penseurs sur la ville et sur le logement. Je rappelle que la cellule d'habitation du Mirail est une des plus sophistiquées, une des plus savantes produites dans les années 60 et on voit pour différentes raisons qui seraient trop longues d'évoquer aujourd'hui, mais ce sont ces trois architectes qui vont publier énormément dans Technique Archi, Archi d'aujourd'hui. Candilis nous racontait que parallèlement à la structure d'agence
qui produit de l'architecture et de la ville, il a une structure de réflexion, une structure de recherche qui écrit des articles, qui écrit des livres et qui fait des concours. L'articulation, si vous voulez, recherche-architecture est tout à fait intéressante. Et il apprendrait ça au 35 rue de Sèvres dans l'atelier de Le Corbusier. Bodianski est ici et ils se retrouvent tous, Woods, Bodianski, Candilis, sur le chantier de l'unité d'habitation de Marseille et sur l'ADBAT Afrique avec Ecochar qui est en train de développer des stratégies de développement et de résorption des bidonvilles au Maroc sur lesquelles l'atelier des bâtisseurs Afrique va travailler. Et Candilis regarde énormément du côté de l'architecture marocaine en terre, regarde du côté des médinas, regarde ces compositions urbaines avec une grande attention. Et d'ailleurs, la trame 6-6 serait aussi, au dire des Cochards et de Candilis, dans une continuité théorique avec l'idée des médinas et l'idée, bien sûr, des relevés de bidonvilles au Maroc. Ils produisent ensemble la charte de l'habitat, publiée dans l'architecture d'aujourd'hui, où le Maroc est un exemple et doit servir d'exemple à d'autres pays, d'autres situations de par le monde. Et donc, l'architecture d'aujourd'hui publie ça, enfin, c'est Candilis qui publie ça dans l'architecture d'aujourd'hui. Et on a en couverture de ce numéro des années 50, donc le bâtiment des Carrières Blanches, tout à fait passionnant, à Casablanca, de Candilis, Josic et Woods. Et on voit ici un article où Habitat Collectif Musulman à Casablanca, ils essayent de trouver des formes d'habiter, des formes de logement qui correspondent aux différentes populations marocaines de l'époque. Voilà ce que ça donne, mais je ne rentre pas dans le détail de toute cette production qui est tout à fait passionnante, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Et donc Tirvit en Inde, CERT et Wiener, Town Planners associés sur l'Amérique du Sud, travaillent sur ces questions, sur la question de l'identité locale, sur la question de, au travers de ce passé efficace, arriver à trouver des conditions d'intemporalité qui puissent être réinjectées dans l'architecture d'aujourd'hui. Et tout ça, enfin, Candilis, Josic et Woods vont rentrer donc en France après cette période marocaine en répondant à un appel, l'appel de l'abbé Pierre qui fonde la communauté d'Emmaüs et qui fait donc un appel pour des logements, pour construire, arriver à construire pour le plus grand nombre. Candilis, Josic et Woods vont remporter cet appel et vont avoir à construire des centaines de logements en France avec des budgets très limités. Donc voilà le concours pour le Mirail. Je ne présente pas non plus là toute la richesse du concours. Là, ici, c'est l'équipe toulousaine réunie autour de Le Corbusier. Et donc, les fêtes pour le lauréat, voilà l'échelle du projet avec cette forme très particulière que l'on va retrouver, qui est donnée par Candilis, Josic et Woods. Vous voyez ici l'étendue du centre ancien de Toulouse avec les faubourgs qui le cernent et l'étendue de cette opération et cette forme si particulière de croissance organique qui est inventée, pas ici, mais qui est repris au Mirail après des mises au point sur d'autres projets dont je parlerai. Et Toulouse-le-Mirail est d'ailleurs
pris par Candilis, que vous voyez ici, Alexis Josic, Sadra Chouz, est pris comme la synthèse de toute une pensée urbaine qu'il va rappeler dans « Bâtir la vie », les mémoires qu'il va publier en 1974. Donc ce qui est très intéressant, c'est qu'il démarre dans les années 50 au Maroc et l'équipe va arrêter l'architecture. Enfin bon, Alexis Josic, lui, continuera, mais Woods, pour cause de décès, et Candilis, parce qu'il le décide, arrête l'agence, arrête le partenariat et arrête l'architecture. Et donc, en écrivant ses mémoires, alors qu'il est encore relativement jeune, il met le Mirail comme une synthèse de toute la pensée sur la ville que l'on voit ici dans ce schéma publié dans Bâtir la vie. Voilà la croissance organique continue de la ville, telle qu'elle est présentée au moment du concours. Les membres du jury qui vont avoir face à eux cette image que j'avais interrogée à l'époque m'avaient rapporté n'avoir absolument rien compris à cette image de ville, mais trouver la forme tellement extraordinaire, tellement, tellement différente de tous les plans qui étaient produits à l'époque, qui voyaient là une forme de modernité, et ils ont été bien évidemment très sensibles au discours de Candilis, qui était très fort pour présenter ses projets. Donc voilà le plan, voilà l'espèce d'intégration de ce plan sur la photo aérienne, où on voit, bon, pour ceux qui connaissent, l'école d'architecture est là, l'université à cet endroit, et en fait on a ici un ruisseau qui s'appelle le Negogus, qui forme la structure avec un appui de lignes d'arbres, et ici le talus Garonne, hein, ce qu'on appelle le talus Garonne, qui est la Garonne est ici, et ça vient finir la zone inondable, la grande zone d'inondation millénaire arrive jusqu'à cet endroit-là, et ce talus Garonne, c'est l'endroit aussi d'où part l'aqueduc romain, donc c'est une longue histoire urbaine à cet endroit-là, je n'insiste pas, et ça c'est la photo de la dernière réunion du Team Ten, pour essayer de faire passer à Baudis, à Pierre Baudis, la continuation du Mirail, que ce qui se joue, là c'est tous les membres du Team Ten qui vont se réunir sur Toulouse, le Mirail qui est en construction, on est à Bellefontaine, pour essayer de convaincre le maire de continuer l'expérience du Mirail, mais Baudis n'est pas intéressé du tout par ce quartier de béton, et donc arrêtera les choses ici. Donc tout ça, toute cette introduction pour arriver à cette idée de passer efficace, il faut que je regarde le temps, 11h38, bon je vais accélérer, sinon je ne vais jamais arriver à finir avant midi, il me reste 20 minutes, l'identité et le passé efficace, donc ce passé efficace, il est... bien sûr, il sort des discours de Le Corbusier, des ouvrages de Le Corbusier, mais il est mis à pratique sur Bagnols-sur-Cèze, qui est une ville donc, avec une centrale atomique, hein, et qui doit accueillir tout un quartier d'extension. Et ce que Candilis, Josic et Woods vont mettre en place, et ils vont obtenir le premier prix d'urbanisme pour cette création, c'est tout ce quartier neuf ici de tours de logement et de petits immeubles d'habitation que vous voyez là, et dans un rapport dit articulé, le terme d'articuler l'espace, d'articuler le temps revient souvent dans l'œuvre des architectes,
ils viennent se mettre donc ici à la rencontre avec la vieille ville sur une place que vous voyez ici, entre donc ville ancienne et ville moderne. Et sur cette place, c'est une place de marché, de rencontre entre ces deux villes, sachant que Bagnols-sur-Cèze, c'est aussi une ville dite neuve. Et ils vont intégrer à la composition de la ville neuve toute une série de tracés archéologiques qu'ils essayent de nommer, de dire efficace, si vous voulez. C'est pas une muséographie de certains éléments, c'est essayer de reprendre dans les éléments historiques des supports de composition de projets pour dynamiser la composition nouvelle. Donc ils reçoivent comme ça une certaine des fonctions, des centralités, des polarités à l'intérieur de ce quartier. Sur Toulouse, l'idée de Candilly, c'est d'aller observer la vieille ville. Il est tout à fait fasciné avec Josy, qui font de grandes promenades sur la vieille ville, et il voit se dessiner ici sur un vieux plan du XVIIe siècle, plan de Tavernier, il voit se dessiner donc une ville, un réseau de villes en Y. C'est la fameuse rencontre là de voies, si vous voulez, à trois branches, de places à trois branches. Ici, on est à Saint-Étienne, place Sainte-Scarbe, et ça forme donc une structure en Y. Et ce Y, il le retrouve sur le site même du Mirail, avec le parc du Talus-Garonne comme ligne de composition principale, qui vient former là aussi une série de Y qu'on reprend dans la composition des bâtiments. Donc on peut trouver que c'est un tour de force formel, un peu facile, mais cette idée quand même d'aller chercher, si vous voulez, d'aller chercher sur la vieille ville des formes de composition urbaine, d'aller chercher une identité, c'est complètement en rupture avec, bien sûr, les Siam et le mouvement moderne. Pour les parties des Siam du départ, bien évidemment, le passage des Siam, notamment les derniers du Brovnik au Timtem, les choses vont se faire dans un glissement sur ces questions de passé efficace, sur ces questions d'identité à insérer dans la vie. Deuxième temporalité qui nous intéresse ici, passé, présent, futur, c'est la question du brûlant aujourd'hui, c'est la conscience du temps présent pour penser la ville. Être dans son temps, dans son époque, c'est être à la limite, sur le fil, pour essayer de bien comprendre. Le Corbusier dit qu'il n'est pas futuriste ou futurologiste, il ne travaille pas pour l'avenir, il travaille pour le temps présent. Et cette idée-là, que l'architecte est dans la société celui qui a le plus conscience des conditions du temps présent, c'est quelque chose qui s'impose. Et quand j'avais interrogé les différents acteurs de cette opération du Mirail, ils se rappelaient tous de la façon dont l'ensemble des personnes qui étaient autour de la table se tournaient vers l'architecte, Candilly Josy Kewoots, pour arriver, pour s'en remettre à lui sur cette mise en forme du temps présent. Ça, c'est quand même une notion, aujourd'hui, cette confiance donnée à l'architecte est plus du tout de mise, si vous voulez. On est plutôt dans toute une série de systèmes participatifs ou autres, où justement on doit mettre en critique, les choses doivent être mises en critique. À l'époque, c'est pas comme ça que les choses se passent, et Candilly, Josy Kewoots, on leur dit qu'à la limite, presque, ils peuvent
construire la ville d'un seul tenant. Tout ce que Le Corbusier avait pu publier justement sur dans l'avion à Cuse, c'est l'idée justement du futur, de s'en remettre au futur, n'est pas de mise. Ce qui est vendu dans l'avion à Cuse, c'est finalement tout ce qu'on voit dans le plan voisin, le plan pour la ville contemporaine, pour une ville radieuse, le plan pour la ville pour 3 millions d'habitants. Donc je montrais Nehru, Le Corbusier, Candilis, le préfet, le maire, le ministre, Candilis, le maire, avec l'idée donc que c'est l'architecte qui a la charge de cette conscience du présent et de cette mise en forme du temps présent. Pour finir, les outils de l'urbanisme pour un avenir prometteur, il y a quand même très rapidement chez les architectes la conscience que cette ville ne va pas pouvoir se créer directement d'un coup et qu'il va falloir trouver des outils pour projeter la ville dans le temps. Donc les conditions de la modernité vues chez Le Corbusier vont être abandonnées pour se tourner vers d'autres penseurs sur la ville, que ce soit dans les pays scandinaves, que ce soit vers le Tintin, où là ils vont trouver, en la personne de Allison et Petermisson, une pensée sur la ville qui essaye de donner une place justement à cette projection dans le futur, avec différents outils qui sont donnés ici pour la ville moderne de 1952, dont on voit très très bien sur le schéma le rapport avec le Mirail, au travers des conditions qui sont continuité, hors sol, le cluster, les unités de voisinage, la séparation véhicule-piéton très importante avec une dalle de circulation, la croissance organique, c'est-à-dire qu'on s'en remet au hasard, beaucoup, enfin au hasard, à des choses inconnues, à des choses dont on ne sait pas très très bien comment elles fonctionneront, mais cette ville de Allison et Petermisson doit pouvoir intégrer des choses inattendues, et bien sûr le lien à la nature et à la haute densité urbaine. Et Allison et Petermisson vont comme ça faire toute une série de schémas sur cette ville, et notamment le grand concours pour Berlin 1958, le fameux Hauptstadt Berlin, où ils mettent en place cette croissance organique avec ce dessin un peu immédiat comme ça. Et vous voyez la dalle qui passe au-dessus de la ville. Le Corbusier avait aussi fait, les modernes avaient aussi fait un urbanisme de dalle qui là sort de tout formalisme direct pour intégrer une dimension organique de rencontre avec des choses préexistantes, comme vous le voyez sur ces différents schémas, avec le passage hein, du véhicule piéton qui se fait par ce système de dalles qu'on retrouve pour toutes les villes qui seront issues de la pensée Tintin, avec le plan pour Tokyo de Kenzo Tange de 1961, qui relève aussi sur une autre forme, mais qui relève des mêmes principes, ou ici pour Jacques Bakema, coupe sur une ville future de séparation, mais qui relève des mêmes modes. C'est Sadrach Woods qui va conceptualiser au mieux ces questions dans le groupe Candilis, Josic et Woods. Il est philosophe, ingénieur de formation, formé à New York et à Dublin. Il retournera aux États-Unis pour enseigner hein,
Il sera là au début du Mirail, mais dans les années 60, il repart aux États-Unis pour enseigner et il va publier dans différents ouvrages, articles, différents supports de revues, il va publier donc deux notions très importantes pour le groupe, c'est qui seront très regardées par beaucoup à l'époque, le stem, la tige, et le web, le réseau. On voit ici le stem, c'est dans The Man in the Street, 1975, que ça sera publié par sa veuve, reprenant donc le stem, The Organic Growth of Stem, que vous voyez représenté ici, c'est la ville centre, la ville linéaire sur laquelle viennent se pluguer toute une série d'immeubles en Y de haute densité avec les véhicules qui viennent ici sur l'extérieur. Le centre est piéton. Le centre, c'est la rue de Candilis qui forme la structure principale. Alors, on le retrouve ici au Tchad, à Fort Lamy, mais on va le retrouver à différentes compositions. 61, parallèlement au concours pour le Mirail, il y a le concours pour Caen et Rouville, où ils reprennent ce système ici de stem et de cluster, de mat building, de pensée de la ville à plat et qui se relève sur la densité centrale. C'est aussi un stem de grande échelle ici pour Hambourg, ou pour Bilbao sur une autre échelle. Vous voyez que ce système de Y, finalement qui est soi-disant sorti de la ville-centre de Toulouse, est appliqué un peu partout en Europe. Et en Afrique ici, avec le stem le long de cette voie ici, vous voyez les immeubles en Y. Donc c'est vraiment le schéma de The Man in the Street de Woods, qui est à l'origine de ça et que l'on voit repris. Ça, c'est un très beau dessin qui ressemble beaucoup à celui de Allison et Peter Smithson, un très beau dessin de Alexis Josis, en blanc sur fond gris avec les rues au noir. Et vous voyez ici le système de Y de nature avec le talus Garonne hein, qui passe ici. Ici, on remonte avec le ruisseau de Negogus. Très beau dessin. Qui trouvera une prolongation donc en maquette, le maire ayant demandé à ce que une maquette soit faite pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agissait vraiment. Et donc la construction de cela, de ce stem sur le Mirail avec la dalle qui est au centre et les grands immeubles qui viennent se pluguer dessus avec les rues au 5, 9 et 13e étage. Au pied, donc la dalle, le centre commercial, tout ça a été démoli aujourd'hui, le centre culturel Alban Mainville qui fonctionnait sur le même thème, qui a été démoli, l'école de Bellefontaine, elle, a pu être conservée, et on a essayé d'obtenir le label architecture du XXe siècle et de faire protéger ce très beau bâtiment dessiné par Josic. La pensée sur les écoles, la pensée sur les équipements, sur le commerce, sur l'université, tout ça est déployé d'une façon très, très sophistiquée, très savante. Malheureusement, on a démoli l'université il y a peu de temps, mais c'était un exemple assez extraordinaire. Mais il reste dans le quartier quelques écoles comme ça de Candilis, Josic et Woods. Premier thème, donc le STEM. Deuxième thème de projection dans le temps, c'est la toile. Et on voit ici cet article de Woods publié sur les systèmes hautement flexibles. Ces systèmes seront tels que l'homme puisse à travers eux contribuer à la création de son propre environnement. Ils n'auront pas les trois dimensions habituelles spatiales, ils auront également une dimension temps. Les systèmes seront suffisamment flexibles pour permettre leur extension et des transformations extérieures au cours de leur existence. Ils seront ouverts vers l'intérieur, vers l'extérieur.
Ils feront preuve à leur commencement d'une intensité active répartie de manière à ne pas compromettre l'avenir. Tout ce programme, si vous voulez, qui est donné par Woods, peut être aujourd'hui utilisé complètement dans la pensée sur la ville. Ça ne suffit pas, bien évidemment, pour gérer un projet urbain, mais c'est une base conceptuelle absolument magnifique qui est donnée là par Woods. Et Josic fait toute une série de schémas que je présente là rapidement sur qu'est-ce que ça veut dire en termes de réseau. Vous voyez ici, est-ce que le terme de fluet que nous a donné Luc Gnjinski au départ peut s'appliquer à ça peut-être. Vous voyez ici ce réseau se propager sur une ville ancienne. Et c'est ce réseau qui va donner les plus belles universités, ce très beau plan ici pour Berlin. Berlin, qui a choisi de préserver son université, construit en acier, et qui va servir d'appui conceptuel pour le projet de Le Corbusier, pour l'hôpital de Venise que vous voyez ici, et qui sera utilisé donc par Candy-José Keywoods pour le Mirail, le LRA, notre laboratoire, est dans ce vieux château ici. Et vous avez donc le développement de tout ce système, l'université comme lieu de transmission, l'université comme réseau à mettre en parallèle et à distance, bien évidemment, du réseau Y de circulation sur la ville. Donc, je présente juste quelques images pour ceux qui ne connaissent pas le quartier et de ce qui a été réalisé entre Bellefontaine et le quartier de Rennerie. Donc, le quartier de Bellefontaine, celui qui s'approchait, j'en parle au passé, le plus des idées conceptuelles des architectes à l'origine. Le quartier de Rennerie s'en éloignera. Vous voyez la forme qui est ici, c'est le même, l'association paritaire des architectes qui va construire ici 3000 logements avec le même plan. Ce que Candilis va, on est autour de la place Abal ici à Rennerie, et beaucoup des immeubles que vous voyez sur ces photos ont été démolis aujourd'hui. Pas de règlement. On demandera à Candilis sur le quartier de l'université. Vous voyez ici l'université, l'école d'architecture est là. Et on va demander à Candilis, c'est la dernière demande qui lui sera faite d'ailleurs, c'est de faire un règlement pour le quartier de l'université. Et vous le voyez ici, on est dans les années 70. Il va faire un règlement sur la hauteur, la couleur, etc., de ces bâtiments qui ont été pour la plupart construits, hein, qu'on a autour de l'école d'architecture. Et vous voyez qu'ils étaient tous reliés entre eux par un système de dalles qui finalement ne sera pas construit. On va passer du système de dalles à cet endroit-là à un système de rues, mais qui n'aura plus aucune idée de centralité, à un système de desserte par des voitures d'une façon classique. Voilà quelques extraits de ce règlement. Et donc, dès les années 72, dès que Baudis va arriver à être mis aux responsabilités pour la ville, on va commencer donc à démolir la dalle pour essayer de ramener les choses au sol. C'est assez incroyable d'imaginer que c'était pas déjà construit, qu'on commençait à le démolir. Et cette démolition de 1972 au premier plan ANRU des années 2000 va être
mise va être une grande continuité avec plusieurs projets de substitution dont il serait trop long de parler aujourd'hui. Mais on peut quand même citer pour conclure, pour finir cette présentation sur ces catégories temporelles, sur ces temps de projection, un peu la fortune critique de ce quartier du Mirail, de cette pensée STEM et web, au travers de juste deux ou trois exemples. Le quartier de l'Arlequin à Grenoble, hein, puisque MSH, la Maison des Sciences de l'Homme, Alpes, c'est un petit salut à Grenoble, qui connaissent bien donc ce quartier. Le fameux quartier du Lignon, sur lequel France Graff a travaillé et complètement, mais là on est à Genève, sur un immeuble qui reprend exactement les mêmes principes formels, l'inscription dans la pente, dans la topographie, une desserte par coursive à différents niveaux avec des systèmes de duplex et d'escaliers intermédiaires. Le Lignon va connaître, a eu des prix là, pour la restauration de l'ensemble. Franz Graff et son laboratoire, le TSAM, ont eu des prix sur ces questions, comme il y a eu aussi une restauration en Hollande sur différents quartiers qui reprenaient ces principes de composition urbaine défendus par Candilis Josiekiewicz. Donc, il y a des choix à faire. Est-ce qu'il est trop tard pour notre quartier du Mirail? Ça, c'est un autre débat. Mais en tous les cas, bon, j'espère qu'avec cette présentation, ça peut faire écho à ce séminaire rythmologie lancé par Luc et par Christian. Voilà, en tout cas, c'était l'ambition de cette présentation et je suis prêt à répondre à d'éventuelles questions.